Non, vous avez tout, on peut y aller? Oui, parce qu'on a encore beaucoup de temps de route. Hein. C'est ça l'inconvénient d'habiter dans la campagne. Ouais, c'est sûr. Allez, on y va. Voilà, nous y voilà. Allez, allons à l'accueil. Bonjour, on vient pour l'opération des dents de sagesse de ma fille. D'accord, suivez-moi à l'étage, on va vous installer dans une chambre. D'accord. Nous y voilà, donc je reviendrai chercher votre fille d'ici 15 minutes pour l'opération. D'accord, merci. Maman, j'ai peur. T'inquiète pas, ma chérie. On t'attendra dans ta chambre, mais dès que tu te réveilleras, on sera là, d'accord? D'accord, maman. Voilà, c'est l'heure d'y aller. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, maman. Te demander de te lever et d'aller t'asseoir sur le lit d'opération, s'il te plaît. D'accord. Bonjour, Emilia. Alors, je vais prendre un masque et je vais te le mettre pour que tu t'endormes, d'accord? D'accord. J'espère que ça va bien se passer, hein. Mais oui, t'inquiète pas, ce sont des professionnels, hein. Oui, tu as raison. L'opération s'est bien passée, je la ramène dans sa chambre. D'accord. Je vais déjà la laisser ici en salle de réveil. Bonjour, l'opération s'est bien passée. Faudra lui mettre juste des poches de glace. Ça n'a pas encore commencé à gonfler. Là, elle est en salle de réveil et je vous la ramène d'ici 1 heure. D'accord, merci. Bonjour, voilà, je vous ramène votre fille. Merci. Alors, comment tu te sens, ma chérie? Ça va? Oh, je suis soulagée. Avant de partir, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors, elle doit manger des choses liquides au début et se brosser les dents avec une brosse spéciale que vous allez trouver en pharmacie. Voilà, d'accord, merci. Au revoir, Emilia. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir.